Exotica.
Exotica. À tous. Minasan konnichiwa. Ogenki desu ka? Médiathèque La Tour Maubourg et yokoso. Alors je me présente, Jérémy. Caroline tomoshimasu. J'aime bien Caroline parce qu'elle parle très bien le japonais. On est très content que vous soyez avec nous. Alors donc au nom de toute l'équipe des bibliothécaires du Prix Mangavore, on vous souhaite la bienvenue sur ce live Twitch à l'occasion du final du Prix Mangavore 2021. Oui. Avant de démarrer, je voudrais juste vous dire que vous pouvez réagir autant que vous voulez sur le chat. On a déjà eu pas mal de commentaires, vous êtes assez nombreux déjà présents. On espère évidemment qu'il y en aura d'autres qui nous rejoindront. Et on va vous présenter le programme. Mais alors, pour réagir sur le chat, évidemment, il y a quelques petites règles à respecter. Voilà, les petites règles du chat. Les petites règles du chat que vous connaissez tous. N'hésitez pas à les consulter vite fait. Bon, ça n'a rien d'extraordinaire. Hein. C'est les règles usuelles, on va dire. La politesse, le respect, tout ça. Voilà, politesse, respect. Et pour permettre aux retardataires de nous rejoindre, je propose de faire un petit tour de la déco avec Caroline. Caroline qui, visiblement, a quand même vidé son appartement pour amener toutes ces petites choses qui sont des objets de voyage. Hein, c'est ça, oui, trois voyages au compteur. Donc, j'ai ramené pas mal de choses. Alors, je n'ai pas vidé tout mon appartement, mais juste une partie. Alors, est-ce par quoi tu veux commencer? Ben, je ne sais pas si on faisait une petite devinette. Voilà. Peut-être parmi ceux qui sont... de l'autre côté de leur écran. Je propose ça, du coup, une calligraphie. Alors, est-ce qu'il y en a qui connaissent cet idéogramme, ce kanji? Est-ce qu'il est bien visible, le kanji? Est-ce que tout le monde peut le voir? Est-ce qu'il y en a qui le connaissent? Parce que s'il y en a qui le connaissent,
voilà, c'est le moment de nous dire de quoi il s'agit. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que vous voulez moi, un indice ou pas ? Veux-tu un indice, Jérémy ? Oui, vas-y. Alors, il faut que tu me tiennes. Ouais, vas-y. Hop. Voilà. Alors, est-ce qu'on arrive avec la caméra ? Cette partie-là, c'est le cœur. Donc, c'est un homme, non ? Est-ce que des jeunes ont déjà trouvé... Des gens ont déjà trouvé de quoi ça il s'agit ? Ça réagit sur le chat ou pas ? Non ? Personne n'a trouvé ? Ah, peut-être que personne ne connaît... Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas. Alors, Jérémy, du coup ? Je ne sais pas, un homme, une femme... Un homme, une femme, ce n'est pas une personne. C'est un sentiment, c'est un indice. Quelqu'un a trouvé ? Alors quelle proposition ? Et c'est quoi, alors ? La clé du cœur, oui, d'accord. Mais du coup, le kanji, c'est ? L'amour, bravo ! Bon, visiblement, on a affaire à des spécialistes, ça tombe bien. Ça tombe bien, Caroline est une spécialiste. Et oui, c'est ça, bravo. Félicitations. Super, félicitations. Omedetou gozaimasu. Et comment ça se dit, l'amour, en japonais ? Eh bien, ai. Aïe, ça fait mal, l'amour. Oui, non. Non, ça fait pas mal. Okay. Pas toujours. Est-ce que tu veux nous parler d'un autre élément de décoration ? Eh bien, oui, voilà. C'est le Shonen Jump. Alors, c'est peut-être toi qui vas feuilleter parce que je ne peux pas tenir. Essaie de montrer l'épaisseur, s'il te plaît. D'abord, le Shonen Jump. Voilà, le Weekly Shonen Jump. C'est quelque chose qui est super épais. Oui, qu'y a-t-il, les modérateurs, s'il vous plaît ? Comment j'écris ? Aïe ! A-I ! A-I, tout simplement. Oui, ne pas confondre avec Hi, avec un H devant qui veut dire oui. Oh, voilà. D'accord. Donc, avec le H, c'est oui. Sans H, c'est cœur. Mais ça ne prononce pas pareil. C'est amour, oui, voilà, tu vas y arriver. Et donc, revenons à nos moutons, mon cher. Donc, le Weekly Shonen Jump. Donc, vous savez sans doute qu'au Japon, donc les mangas sont pré-publiés. Hein. Ils sont d'abord publiés dans une revue. Celle-là, c'est une des revues qui existent. Une revue shonen. Elle ne coûte que 240 yens, c'est-à-dire un peu moins de 2 euros. Alors, si vous regardez du coup la qualité un petit peu du papier, de l'impression, vous voyez que c'est quand même, c'est pas torchon, mais presque. Oui, papier chiotte, presque. Mais il y a quand même de quoi lire. Il y a peut-être une quinzaine ou une vingtaine de mangas qui sont dans un volume. Alors après, là, t'as une vingtaine de mangas là-dedans. C'est des épisodes. Vous avez vu que dans les mangas, il y a des épisodes. Hein, les mangas en version version livre, il y a les épisodes. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Eh ben, sans doute, ils connaîtront iront au Japon, n'est-ce pas ? Donc ça, c'est un pour les garçons, mais il y en a pour les filles, il y en a pour les adultes, il y en a des plus érotiques, etc. Du coup, je ne sais pas si déjà il y a pas mal de personnes. Combien sommes-nous sur le chat ? S'il vous plaît, les petits modérateurs, êtes-vous là ? Je crois qu'en 32. 32 déjà, personnes, super. Nous sommes déjà 32. Pour notre premier live Twitch, c'est pas mal. On va essayer de continuer, on est à 32. alors pendant ce live, de quoi nous allons parler ? Nous allons parler de Zélian. Certains sont peut-être sur ce live d'ailleurs pour parler de... s'attendez à la voir avec nous, vous allez savoir... Et confinement, confinement. Ouais, confinement, confinement, vous allez savoir comment tout ça va se passer. Nous allons aussi annoncer les résultats et en même temps... que nous ferons des quiz. Et oui, nous sommes très forts, nous pouvons faire des quiz, annoncer des résultats. On aime ça, le quiz. Et avec ces quiz, je ne sais pas si certains le savent déjà, mais il sera possible de gagner des mangas de la sélection des prix. Des prix, des prix. Des prix, voilà, à gagner. Alors pour commencer, petit point sur Zélian. Zélian, donc, c'est l'auteur de Wandering Souls. Wandering Souls, c'est cette série-là. Voilà, ça c'est le tome 2, il est sorti en tout début d'année. Gros succès quand même en librairie, hein, en tout cas d'après Joaquin qui s'occupe de la librairie La Licorne à Valence. Ça marche bien et il l'a bien apprécié aussi. La preuve, c'est qu'il l'avait aussi mis dans une présélection pour le prix Manga Bord. C'est ça. Bon, on a failli le choisir. On a failli le choisir, ça s'est joué de peu, mais bon voilà. Voilà, on essaie des fois d'équilibrer. C'est toujours dur les votes, la sélection. Pour notre prix Mangavore. Toujours dur. Toujours dur. Et oui, parce qu'on ne choisit que. Que ce qu'on aime. 10 livres. Et que 10 livres. Que ce qu'on aime et que 10 livres. Alors, elle aurait dû être là, elle aurait dû rencontrer des jeunes au collège l'après-midi, elle aurait dû demain faire des dédicaces. Des jeunes qui ont voté, n'est-ce pas ? Des jeunes qui ont voté, bien sûr. Et ce soir, elle aurait pu être avec nous, voilà, sur ce plateau pour le live. Là, elle est confinée chez elle. Mais rassurez-vous,
Ce n'est pas du tout annulé. Zéliane a souhaité évidemment vous rencontrer, elle veut vous voir. Elle veut voir vos dessins si vous êtes dessinateur, elle veut discuter avec vous. Et donc, elle viendra, ce n'est que reporté, elle viendra, attention, notez les dates, vendredi 11 et samedi 12 juin. On ne se trompe voilà. pas dans la date. Donc, non, j'avais peur de me tromper dans la date, surtout la première. Vendredi 11 et samedi 12 juin, et donc il sera possible pour vous tous de la rencontrer. J'espère qu'on aura de bonnes conditions. Il permettra peut-être, si on est obligé quand même de faire un live, d'avoir un peu de public avec nous. Voilà. Et puis il y aura des dédicaces quand même. Et au pire, on refera qu'un live. Mais bon, on espère que ça sera plutôt en Alors, direct. Alors qu'est-ce que vous pensez du fait que Zéliane va venir nous retrouver au mois de juin? Vous n'êtes pas trop triste? Pas trop triste? Pas trop triste moi, de devoir plutôt... attendre. Oui, de devoir attendre, mais en même temps, quand on la rencontrera, on pourra lui montrer, lui donner des trucs, parler directement avec Exactement, elle. Exactement, c'est un La plus. Vraie vie, quoi. La vraie vie. Espérons. En tout cas, moi, personnellement, je trouve ça génial. Alors, petit point sur le nombre de participants, on y reviendra. On l'a vu tout à l'heure, on était déjà 32. Vous êtes déjà 32 derrière Combien l'écran. Sommes-nous maintenant? Est-ce que ça a explosé le compteur? Non, ça n'explose pas. 36, wouh 36, ouais, mais progressivement, on va arriver. Yeah, allez, on est sur la pente ascendante. On est... Voilà, on est déjà passé à 37. Vas-y. Eh bien, écoute, je pense qu'il serait temps d'annoncer les résultats du prix Mangavor. Pop, mais pas tout de suite, mon petit Jérémy. Peut-être un petit rappel. D'accord, ma petite Caroline. Tout à fait, mon petit. Peut-être on peut rappeler brièvement ce qu'est le prix Mangavor, parce que c'est notre 5e édition. C'est tous les ans, donc dans le réseau des médiathèques de Valence Romans Aglo. Nous vous présentons 10 mangas, qui sont des mangas récents, des séries récentes, qui sont donc sélectionnés par nos libraires partenaires. Vous avez La Licorne à Valence, Les Cordeliers à Romans. Et puis entre bibliothécaires, eh bien, donc on discute beaucoup pour vous offrir que 10 mangas des sélections des libraires. Et puis vous avez 3-4 mois pour voter. C'est une sélection dans la sélection. C'est une sélection dans la sélection, c'est ça. On est passé, ils sont passés par notre prisme d'abord. Donc est-ce qu'on, tu veux qu'on redise les titres de cette année ou est-ce que c'est nécessaire ou pas ? Vous les retrouverez, vous pouvez les retrouver sur le site. Ils les ont tous lus en plus. Puis, la plupart d'entre vous sont peut-être déjà des participants du prix Mangavor. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui découvrent en fait ce qu'est le prix Mangavor et qui sont pas là parce qu'ils ont participé à ce prix-là ? Je ne sais pas si nos modérateurs nous entendent, ils ont l'air très très concentrés. Laissons-leur le temps de répondre aussi. Alors cette année, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait quand même 7 bibliothèques du réseau qui étaient participantes et de nombreux collèges ont rejoint l'aventure. C'est super. Plus que chaque année, fois, nous avons de plus en plus de participants. Et alors, on ne va pas faire une devinette là-dessus, mais je propose de savoir combien il y avait de jeunes qui ont participé à ce prix Mangavor. Cette année, il y avait plus de 200 jeunes de 11 à 18 ans On a qui battu ont participé notre record. Mangavor. Plus de 200 jeunes, vous vous rendez compte ? Omedetto ! C'est génial. Donc ça, c'est énorme. Et en plus, donc ça peut être parce qu'ils se sont inscrits dans une médiathèque, aussi dans leur CDI, une classe. Et vous avez été, alors vous, peut-être ceux qui êtes derrière votre écran, vous avez été 150 à voter. 150, moi je trouve que c'est un truc de dingue. On n'a jamais eu autant de participants sur ce prix. Merci à vous. Déjà, ça prouve qu'il y a de plus en plus de succès autour de ce prix-là et que la sélection vous plaît. J'imagine si vous y revenez chaque année. On commence à être célèbre peut-être. C'est le début de la gloire. De la gloire, ouais, pour nous, c'est sûr. Des années de promotion. Alors, peut-être que tu vas nous parler des gagnants. Eh ben non, pas tout de suite, Jérémy. Oh, ça, il faut garder un peu de suspense. On va faire ça au cours du live et vous saurez le grand gagnant à la fin du live. Donc, restez jusqu'au bout. Et moi, je vais plutôt vous parler des, on va dire, perdants, même s'ils ont quand même eu des votes. Ils ont eu pas mal de votes. Voilà, il ne faut pas dire qu'ils sont complètement mauvais, qu'ils sont complètement nuls pour vous. Non, il y a Goodbye My Rose Garden qui est parmi les deux derniers. Alors, Goodbye My Rose Garden, malheureusement, dans les deux derniers... Qui n'a pas eu suffisamment de... Qui n'a pas eu assez de succès pour être sur le trio gagnant. On me dit de me présenter pour faire mon gros plan, regardez. Ah. Vas-y. On va y arriver, les gars. C'est notre premier chat à nous aussi. Avec les bras, c'est pas facile. Et malheureusement, le deuxième perdant, oserais-je dire... Ashidaka, The Iron Hero. T'as vu mon merveilleux accent anglais ? Super, très bon. Qui n'a pas eu assez de votes non plus pour être sur le podium. Voilà. Voilà.
pas assez souvent cité pour être dans votre top 3. Ouais. Mais quand même des votes honorables, hein, c'était pas... Alors, ces résultats, avant d'annoncer le troisième prix, nous allons vous proposer un jeu. Premier jeu. Alors, c'est un jeu, là, c'est complètement tiré au sort. Mais il va falloir que vous tapiez quelque chose sur le chat, si j'ai bien tout compris. Hein, parce que... Ah, attention, les modérateurs nous parlent. Ah ben, bah, mais j'ai pas dit qu'il n'avait pas été aimé. J'ai dit qu'il n'avait pas été... Assez aimé, cher modérateur et cher commentateur. Oui. Donc, ils ont eu des votes, mais pas assez. Voilà, ils ont eu beaucoup de votes, mais pas assez. Heureusement qu'ils ont aimé quand même un peu, parce que nous aussi, on l'avait bien aimé, hein, les deux d'ailleurs. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Tu étais en train de nous parler de, justement, il va y avoir un tirage au sort. Mais oui, le tirage au sort. Alors, attention, le tirage au sort, il va falloir taper une phrase, enfin un mot, que je vais vous dire dans quelques instants. Ça va être en direct, hein. Donc si je me souviens bien, c'est le plus rapide. Vous aurez 30 secondes pour. Non, ça, on va tirer au sort, donc c'est pas le plus rapide. C'est tout à l'heure que ce sera les plus rapides qui gagneront des points. Pour l'instant, là, ça sera tiré au sort. Donc vous allez avoir 30 secondes pour écrire là le mot suivant. Attention, point d'exclamation, Mangavore 2021. Alors, point d'exclamation, Mangavore 2021. Tout le monde peut participer, évidemment. Et alors, qu'est-ce qu'il y a à gagner ? Parce que pendant qu'ils sont en train de participer, qu'on a dit, tu peux nous qu'est-ce dire. Qu'est-ce qu'il y a à gagner ? Je vais te le dire, mon cher Jérémy. Il y aura à gagner un volume de chaque manga qui est sur le trio gagnant, sur le podium. Voilà, c'est ça. Vous gagnerez les mangas qui ont gagné cette édition. Les trois mangas qui font partie de ces 10 mangas-là. Donc, pour l'instant... Les trois meilleurs, eh bien, vous les ramènerez chez vous. Ils seront pour vous. On vous recontactera en chuchotement ou en je ne sais quoi. Point d'exclamation. Pour avoir vos... Mangavore 2021. C'est bientôt fini, non ? Je croyais l'avoir lancé, je suis à... Et c'est ballot, tu as oublié. Mais donc, dans 10 secondes, je pense qu'on aura fini les 30 secondes. Alors, y a-t-il beaucoup de participants ? 7, 8, 10, c'est 12, ah là, ça va vite. Continuez, ça va vite. Continuez, c'est encore possible. Et ensuite, ça sera un tirage au sort pour le résultat. Combien d'années, Jérémy ? 10 ? Eh bien, allez, stop ! 9 ! Ah, fini ! Allez, tous ceux qui ont envoyé Prix Mangavore 2021 n'ont plus aucune chance de gagner. Le tirage au sort est informatique, donc... Attends. Ash Fire Crystal. Ice Fire, avec les masques, c'est dur d'entendre. Ice Fire Crystal, félicitations, tu as gagné 3 mangas. Oui, alors tu as gagné 3 mangas, tu ne sais absolument pas encore ce que tu as gagné. J'espère que la surprise sera bonne. Il faut juste savoir, c'est que bah voilà, dans les 150 jeunes qui ont voté pour les prix Mangavore, eh bien, ces trois-là, en tout cas, ont remporté le maximum de suffrages. C'est ça. Et on verra que peut-être ce n'est pas trois, mais peut-être... Ne dis pas tout. Oui, parce que nous allons justement parler du... Je commence à balancer, à spoiler un petit peu là-dessus. On va monter sur le podium, là, ça y est. Alors, nous allons maintenant vous dire quel est le troisième manga préféré des Mangavore. Jingle. Voilà, gros suspense en fait. Le troisième manga préféré des Mangavore est Alpi the Soul Sanders. Wouh ! Alors j'espère... Ouais, super. Alpi. Ah. Et attention, grosse surprise. Quoi ? Mais que me dis-tu là ? Alpi the Soul Sanders n'est pas le seul à avoir gagné cette troisième place. Ah. Et oui, pour la première fois depuis 5 ans, depuis même l'origine du monde... Il y a deux ex-aequo et donc il partagera ce titre partage sa place avec Iruma à l'école des démons. Youhou ! Voilà, donc ils ont tous les deux la troisième place. Hein. Vraiment, le même nombre de votes pour exactement, chacun. Ouais. On n'a pas c'est de moyen de les départager. Alors toi, je sais que tu aimais bien Alpi. Moi, personnellement, j'aimais Alpi. J'ai adoré Alpi pour le côté fantastique de cette histoire. Et graphiquement, et je le trouve exceptionnel. Le dessin, super. Mais moi, j'avais beaucoup aimé aussi Iruma à cause de l'humour. Le personnage est vraiment attachant, quoi. Puis j'aime bien le dessin un petit peu plus kawaii. C'est un côté un peu dingue aussi, un peu Iruma. Foufou, ouais. C'est peut-être celui qui était donc le plus drôle dans la sélection. Donc ça m'étonne pas qu'il soit sur le podium. Donc on est très contents, finalement, de retrouver cela sur le podium. Ouais, comme et oui, sur le podium, mon cher. Et je propose... Oui, on a une réaction...
Rajoutez-moi, c'est trop tard. Mais Irma avait eu des tonnes de voix. Hein, bien essayé, savoir, mais voilà. Ouais. Mais voilà, égalité quand même avec Alpiz Sundsender qui avait aussi fait un super score. Je propose maintenant d'attaquer le quiz. Oui, les quiz. Alors, assistanto, negashimasu. Arigato gozaimasu. Voilà le petit quiz. Alors, on va tirer des questions au sort, Jérémy. Voilà, on va tirer des questions au sort. Il est prévu de répondre à 6 questions. Le plus rapide remporte 1 point à chaque fois. Mais là, pour le coup, vous avez compris, il s'agit du plus rapide. Plus rapide. Sera sur le chat, hein. Il faut savoir taper vite. Ne soyez pas surpris si votre publication n'apparaît pas instantanément. On a un peu ralenti le chat, justement, pour avoir le temps de lire les réponses dans l'ordre. Et puis, on ne copie pas. Et qu'est-ce qu'il y a à gagner pour le quiz? Eh bien, il y a gagné les 3 premiers tomes de la série qui se trouvent en 2e position du classement du prix Mangavore 2021. Vous m'avez suivi, les 3 premiers tomes de la série qui est en 2e position. Qu'on ne connaît pas encore, donc. On ne connaît pas le nom, vous aurez la surprise après. Pour le moment, vous êtes en train de vous battre pour gagner ces 3 titres. Est-ce que vous êtes prêts? Tout le monde est prêt pour les questions. Allez. Tirage au sort, 2 questions. C'est parti. Non, pas celle-là. Question numéro 1. Attention, alors prends bien le temps, puisque c'est le plus rapide. Mais oui. Question numéro 1. Est-ce que vous êtes tous prêts? Ils sont au taquet? Tout le monde est au taquet? Les modérateurs, êtes-vous vivants? Ça y est, 3, c'est bon. 2, 1. Top, la question numéro 1. Dans GTO, Great Teacher Onizuka, quel moyen de transport utilise Eikichi Onizuka? Top chrono. Alors, Jérémy, tu l'as lu, GTO? Non, par contre, dans ma médiathèque, il y a toutes les séries GTO, Paradise Lost, etc. Tu comprends plus rien, quoi. Ben, j'ai toujours été tenté de les lire, mais j'avoue alors, que... Alors, moi, j'ai lu le GTO alors, quand il est sorti. Alors, ça commence à dater, je crois. D'origine, tu veux dire le premier tome quand il est sorti? La première série, quoi. Alors, elle a été adaptée en drama, donc j'ai vu aussi le drama. Après, ils ont refait un autre drama dans les années 2000, parce que c'est premier dans les années 90. Ah non, mais tu veux dire que toi, tu dates des années 90? Eh bien oui, malheureusement, même plus. Mon Dieu, Caroline. J'oserais dire, bien plus que ça. Ils ont fait aussi des films. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà donné la bonne réponse? Est-ce que la bonne réponse est tombée, cher modérateur? Pause. Ah non, il faut encore qu'on... Ah ben, alors, laissons-leur encore les chances. Alors, il y a une bonne réponse. Il y a la marque. Il y a un moyen de transport, mais il faut dire la marque. Si vous la connaissez. Ah, alors, la marque n'est peut-être pas le modèle, quand même. Hein. Oh. On va accepter juste... Alors, ça y est, il y a un gagnant. Alors, donne-nous la réponse, hein, puisque moi, franchement, je ne connais rien. Alors, tu redis quoi, toi? Moi, j'ai un vélo. Un vélo. Eh bien, c'était un ancien Bozozoku Onizuka. Hein, un Bozozoku. Et Bozozoku, qu'est-ce qu'ils utilisent? Ben, des motos. Voilà, donc c'était une Kawasaki 750 Star. 750 étoiles? Ouais. C'est ça. Ok, allez hop. Voilà, première question. Première question, Aurélie, marque un point. Préparez-vous pour la deuxième question. Question numéro... On va voir. Ah, oula, ça va plaire, ça. Parce que je suis sûre qu'il y en a plein qui ont lu ce manga, qui a beaucoup, beaucoup de succès. Question numéro 7. Les modérateurs, vous êtes prêts? Quel est le nom de Saitama donné par l'association des héros dans One Punch Man? D'accord, nouvelle série qu'évidemment je n'ai pas lue. Tu n'as pas lu One Punch Man? Je n'ai pas lu grand-chose. Je vais te dire que moi non plus. Mais tu sais quand même que le héros est chauve. Oui, mais non, mais j'ai déjà vu sa tête, j'ai déjà vu les couvertures. Ah, bah il y a déjà une réponse, mais vous êtes super rapide. Voilà, donc on a déjà une réponse. Et alors, tu la connais la réponse, Jérémy? Ah non, absolument pas. Pas du tout. Et c'est donc le chauve capé. Le chauve capé. Oui, alors là, on n'a pas vu, donc encore, hein, voilà. On va rebondir direct sur la alors, troisième est-ce que question. Est-ce qu'on est d'ailleurs obligé de savoir qui gagne à chaque fois? On garde le suspense? Ah non, on garde le suspense des points. Allez. On saura à la fin voilà, qui a le plus de points. Parce que si, par exemple, Aurélie avait répondu et j'espère juste... qu'il n'y aura pas trop d'ex-écho, hein, parce qu'on n'y a pas réfléchi à ça. Mais c'est on se débrouillera. Il y aura une question, une seule question, vas-y, qui fera la question subsidiaire et qui fera la question gagnante. Ah, alors là, ça va être rapide aussi, à mon avis. On n'aura même pas le temps de broder, que ça sera déjà une réponse. Question numéro 10.
ça, les modérateurs, ils sont prêts. Ils sont à fond. Allez, vous dans aussi. One Piece. Je l'ai fastoche, hein. Bah, comment se nomme le fruit du démon de Luffy? Je parie qu'à moins de 10 secondes, nous aurons la réponse. Comment s'appelle le... Et surtout, qu'est-ce qu'il fait faire, ce fruit? Le fruit du démon. C'est... Alors, toi, tu as regardé One Piece. Ah bah, j'ai lu One Piece jusqu'au 25 premier épisode, mais après, je t'avouerai que j'ai arrêté. Mais tu sais ce qu'il fait, du coup, Luffy? C'est... Oh. Il y a déjà la bonne réponse qui est apparue. Il y a déjà... Ah, super, il y a quelqu'un d'autre. Il y a déjà une réponse, voilà. Il nous dit. Mais du coup, le fruit, alors, ça lui permet d'être élastique. C'est son super pouvoir. Ah, d'accord. Eh oui. Alors, du coup... Le nom du fruit, alors on pouvait le dire de deux façons. Soit Gum Gum, soit le Gomu Gomu Nomi. Gomu Gomu Nomi. Gomu Gomu Nomi. Gum Gum, ouais. Bah, je pense que Gomu Gomu, ça vient de l'anglais. Ils transforment souvent des noms anglais en japonais et ça fait gum, quoi. Ok. Voilà. Alors, on a combien de questions là? Parce que je les jette par terre. Mais dis... Oui, vas-y, on a déjà trois questions. Trois questions. Allez, quatrième question. Ah. Question numéro 2. Dans Fruit Basket. De Natsuki. Fruit Basket. Ouais, de Natsuki Takaya. En quel animal se transforme Hattori? Alors, tu connais Fruit Basket? C'est un manga qui donc se base sur des personnages qui se transforment en animaux du zodiaque. En animaux du zodiaque, ouais, je connais, il y a le lion, il y a le gémeau, oui, le cancer. Voilà, du zodiaque chinois, donc. Que tu connais parfaitement. Que je connais, tu vas m'en citer. Moi, je sais que je suis singe, je crois. Tu vas m'en... Ah, tu es singe. Eh bien, moi, je suis, sûr, hein. Je suis lapin. Ou buffle, peut-être. Oui, il y a buffle aussi. T'en connais d'autres, peut-être. Rat. Le rat, très bien. Ok. Donc, du coup, c'est un de ces animaux. Alors, ces non, animaux. Ça pourrait, un mais animal, pas vraiment, en fait. Il un de ces animaux. Il se rate un peu. Il se rate un peu. Ah, on a trouvé. Eh bien, alors, du coup, je vais pouvoir donner la réponse. Alors, lui, il devrait, normalement. C'est lui, il est dragon. Dragon. Mais okay. Bon, ça marche pas bien. Alors, il se transforme en hippocampe. Oh, c'est le tellement pauvre, plus un petit mignon, dragon des mers, un petit hippocampe. Oh là là. Allez, soyons fous. Soyons alors, juste, fous. Juste une petite question voilà, à ceux qui sont derrière leur écran et qui gagnent ou qui gagnent pas. Mm. C'est, les questions sont... Pour moi, tout est trop difficile. Mais, vous trouvez ça plutôt faisable? Moi, je sais qu'elles sont archi-faciles. Attends. Ah ouais, non, mais là, on a pris des trucs hyper connus, alors, tout le monde les a lus oui, 15 connu, fois. Mais les séries, c'est connu, mais par exemple, ton histoire d'hippocampe, là. Bah, attends, les passionnés se souviennent, c'est tout. On est voilà, passionnés, bon, on n'est pas passionnés, bon, mon cher alors, Jérémy. Moi, ah, je suis passionné et là, par je ceux suis qui sûr sont que nous n'avons que des passionnés derrière nos écrans. Alors, on continue. Alors, je crois que c'est la dernière. Là, ça tombe bien, c'est sur un manga de la sélection de cette année. Oh. Alors, une bonne mémoire, j'espère. Question numéro 5. Attention, là, ça va être hyper rapide, normalement. Comment s'appelle le héros dans Spy X Family? Top chrono. Spy X Family. Oui. Ah bah alors, tu l'as lu, celui-là, alors, Jérémy, ça, quand même. Tu n'as pas lu le Fruit Basket, mais tu as lu Spy X Family. Tout le monde l'a lu. Déjà, c'est déjà cuit. Bon, mais en fait, on a effectivement mais affaire à des je savais qu'il trouverait tout de suite. Alors, oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je lis beaucoup. Enfin, j'aime lire les mangas de la sélection, par exemple. Mm. Mais je ne retiens absolument aucun nom. Je suppose que c'est un nom japonais à tout. Je peux te dire, te faire une confession. Ouais, non plus, je ne me souviens jamais des noms. Par contre, je lis plus qu'un seul tome dans les séries. Oui, et du coup. Et bien, pour autant, je ne m'en souviens pas. Et alors, du coup, c'est quoi le. Et bien, du coup, c'est Twilight. 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 Mon Dieu, mais Twilight, c'est pas du tout japonais. Eh ben non, mais Spy X Family, on sait pas trop où ça se passe, je me souviens non, plus, mais, moi. Où ça se passe, Spy X Family, vous vous en souvenez, les gens là? Alors, est-ce qu'on a fait les cinq... Nous avons fait les cinq questions. Et il en faut six, alors. Alors, on a malheureusement pas de grand gagnant, donc on va faire une sixième pour départager. Alors... Il en faut une autre. Ah! On va parler de Kali. Ok. Hein, Kali qu'on a reçu, il me semble. On a reçu il y a deux ans. Ouais, c'était l'auteur. Comme Zélian, on va la voir au mois de juin. Kali était venu il y a deux ans pour le prix Mangavore. On était à la médiathèque La Passerelle. Très bien. Eh bien là, c'est la question 4. Kali, donc, qui est l'autrice ou l'auteur, je ne sais pas, la version féminine, on ne sait jamais qu'est-ce qu'il faut utiliser. Autrice. L'autrice de Nova a écrit une autre série. Alors. Quel est le nom de cette série? Ça, c'est une question dure, par contre, moi, je trouve, là.
Là, on va voir quels sont alors, les vrais passionnés. Alors, moi, je m'en souviens parce que j'avais beaucoup aimé cette série-là et j'avais beaucoup aimé Kali aussi. C'est une ça parle super... de quoi Ça parle de la relation entre deux personnes. D'entre deux personnes, oui. De même sexe et qui sont en quête de leurs sentiments. Voilà. C'était très beau et on était à la limite du shoujo, mais un shoujo revisité. D'accord. Il n'y avait que deux tomes, je crois. Il n'y avait que deux tomes. Ça se terminait en deux tomes, c'était bien pour ça aussi. J'aime bien les mangas qui se terminent. Oui, c'est sûr que c'est mieux que One Piece. Comme Wandering Souls, hein, d'ailleurs. Si tu veux des choses courtes, c'est mieux. Alors du coup, la réponse, c'était, puisque vous l'avez trouvé, Hana No Breath. Étonnant titre. Hana, ça veut dire la fleur. No Breath. Hana No Breath. C'est le... La respiration. L'haleine de la fleur. Vaut mieux pas traduire. C'est vrai que je m'étais alors même pas amusée. Alors du coup, les modérateurs, on a toutes les questions. Est-ce qu'il y a un gagnant à ce premier quiz? Quel suspense, elles sont alors, concentrées, je vous explique en train de même regarder, voilà, pas. Les noms de oui, chaque personne. Oui, il y en a qui... Super. Alors, un ou une gagnante, bien sûr. Ah oui, on ne sait pas. Alors, pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, cher modérateur? Oui, oui, vous me l'avez dit, oui, mais vous ne m'avez pas dit le nom de la personne. Baba Switch, c'est ça? Baba Switch, félicitations! Baba Switch a gagné largement ou juste? Omedetto gozaimasu, tu as gagné. Bravo. Alors, tu as gagné le deuxième manga de la sélection. Le manga qui est à la deuxième place du prix Mangavore. Juste après le jingle. Le jingle, il arrive. Ben oui, je sens que tu as envie de le dire. Mais non, on peut parler sur le jingle, ça pose pas de problème. J'avais trop envie de le dire. J'étais prêt. Le deuxième manga gagnant de cette année, il s'agit de I'm Spider, So What. Réagissez, je sais pas vous, mais moi, franchement, le I'm Spider, So What, c'était pas celui que j'imaginais à ce moment-là. I'm Spider, So What, voilà. J'ai ça, t'imaginais pas, ouais. Pour moi, vraiment... Il n'a pas passionné les foules parmi les bibliothécaires, celui-là. Au moment de la sélection, on a eu beaucoup d'hésitations. Alors que moi, j'y ai cru tout de suite, même si je n'aime pas du tout les araignées. Hein, j'avais pas trop envie de le lire, pour être honnête. Moi, c'était le côté jeu vidéo, je ne sais pas, avec les niveaux, machin. Moi, j'ai trouvé que c'était assez marrant et bien fichu. Ouais. Oui, j'ai aimé. J'avais de grands espoirs. J'ai aimé, mais je t'avoue que moi j'aurais préféré qu'Alpi soit en deuxième position. Ah bah oui, mais bon. Attends, il y a une réaction du public. C'est le vote du public. Alors public, qu'est-ce qu'il dit le public? Il existe un animé, mais presque tout est mis en... Oui, bah alors par contre l'animé, on va voir des araignées bouger. Moi, je peux pas. Sur papier, ça passe, mais... les araignées, c'est pas mon truc. Hein. Vraiment pas, sauf dans ce manga. Eh bien, je propose d'attaquer... Merci pour l'info. On ira... Enfin, les autres iront voir. Eh bien... Ouais, c'est vrai qu'il était drôle. Il y en a qui disent que c'était pas leur préféré, mais qu'il est très drôle. Ouais. Bah, je vais voir la suite, ça doit être pas mal. Hein. Alors, du suspense quand même. Hein. Caroline, je pense qu'on peut attaquer le deuxième et dernier quiz. Mais non, qu'est-ce qu'ils nous disent là? Oui, vous nous montrez des montres, mais il faut qu'on aille plus vite ou plus lentement? On attaque le deuxième. Ils sont sympas. Alors c'est quoi, plus quiz. Vite? Allez, c'est parti. J'ai pas compris moi. Il faut qu'on aille plus vite, c'est ça? Non, je crois pas. Non, franchement, on est tranquille, on est bien. Le caméraman me dit qu'il faut aller plus vite. Hein. On est bien, on va rester. Allez, c'est parti. On attaque le deuxième quiz. Alors, évidemment, vous l'avez compris, le concept, c'est le même. Le plus rapide à répondre gagne. Et on n'a qu'à dire que le premier qui a deux bonnes... Qu'est-ce qu'il y a? Les modérateurs, ils n'arrêtent pas de nous embêter. Bon, on pose quand même une question, la modérateur. Ce sera la question 8. Préparez-vous, du coup. Ben oui, mais j'attends, mais je ne peux pas attendre indéfiniment, chers amis. Alors, ça sera sur un manga très, très, très célèbre, qui lui aussi a été adapté en animé, qui fait déjà 98 tomes. Ça te dit quelque chose? Dans Détective Conan, par quel moyen Shinichi Kudo se retrouve dans la peau d'un enfant? Top chrono. Alors, tu l'as lu, cette histoire-là? Détective Conan, je vois bien sa petite tête, j'ai bien lu les mangas. Je t'avoue ne pas les avoir lus, mais alors moi, j'ai lu les 50 premiers tomes. Les 50 premiers tomes. Et après, j'ai arrêté, parce que là, tu te dis 50, 98. Mais ça veut dire que tu passes une soirée, quoi. Enfin, la même journée, quand même. Tu es gentil. Tu passes des soirées. Tu sais qu'il y a plus de 14 films, des séries, des lives. J'avais vu que Détective Conan, ça avait un succès incroyable. C'est un succès phénoménal.
Alors, est-ce qu'il y en a qui ont trouvé la réponse à la question? Tu peux nous rappeler la question? D'habitude, ils sont rapides. Ouais, je te rappelle c'est la question. C'est pour ça que je suis un peu troublé. Par quel moyen Shinichi Kudo, ça s'approche, hein, a priori, hein, se retrouve dans la peau d'un enfant? C'est vrai que ce n'est pas une série très, très récente aussi. Elle a commencé dans les années 90. Ah, il y a quand même quelqu'un qui l'a lu. Alors, la réponse, c'est en buvant un poison. Yo, en buvant un poison, très bien. Donc on et a du déjà coup, ça un le gagnant. Fait rétrécir et il se retrouve un enfant, mais avec quand même son cerveau d'adulte. Hein. Allez, question suivante, on enchaîne. Ah, encore une question sur un manga du prix Mangavore, là. Question 6, les modérateurs, vous êtes prêts, les modérateurs? Quel événement historique pousse les héros de l'Oxalis et l'or à quitter leur pays? Alors, Jérémy, de quel pays s'agit-il? Alors, d'ailleurs, ça, pour le coup, ça fait partie de la sélection. Donc, comme tu vois, tu t'en souviens. Ah, y a déjà la bonne réponse. Bah, donc, du coup, je vais pouvoir donner pour une fois que j'avais la bonne réponse. Dire. La réponse, c'est la famine. La famine et du coup, de quel pays, s'il te plaît? Parce que c'était ma question. C'était quel pays? Donc, c'est en Irlande. La grande famine, la famine qui a eu lieu dans les années. Donc, c'est une histoire vraie. Aux alentours des années 1850. À une époque où, malheureusement, on mangeait beaucoup de pommes de terre. Et les pommes de terre sont toutes tombées malades. Pas de chance. Allez, question suivante, puisqu'il faut aller plus vite. Ah, question 12. Question historique, on va voir. Quel peintre d'estampes très célèbre considère-t-on comme le père du manga? Alors, ça tombe bien. Quel ça. Peintre ouais. d'estampes Regarde, très Jérémy, célèbre ce considère-t-on que j'ai amené. Comme le Regarde ce que j'ai amené. Père du manga. Alors, attention. Regarde, voilà. Ça, c'est un livre qui résume. Oui, ah oui, non, ouais. Je n'y arrive pas, cher caméraman. Voilà, à montrer le livre et à tenir le micro. Voilà, dans ce sens-là, ça sera mieux. Donc ça, c'est un livre qui montre juste quelques exemples. Oh, si bravo, tu peux, culture japonaise. Si tu peux ouvrir le livre aussi, Jérémy, oui, va au fond du truc. Voilà, ce sont des croquis donc, qui ont été faits au 19e siècle. Et donc, c'est Hokusai la réponse. Il a fait quand même 15 volumes de croquis qu'on considère comme être un peu les préludes du manga. Voilà. Allez, question suivante. Voilà, il y a un suspense d'enfer. Ah, une série très connue aussi, une série très connue. Question 11, cher modérateur. Quels personnages ont en commun les séries Rave et Fairy Tail? Waouh. Quel personnage, mais plus, ouais. Plusieurs personnages. Alors, c'est le même auteur qui s'appelle, ouais. Je crois, Mashima, Hiro Mashima. Mais il y a plusieurs personnages ou il y a un seul personnage? Alors, c'est un personnage qui est dans les deux séries, en fait. Un personnage qui est dans les deux séries. Donc, il a fait deux séries il y a quelques années, pas mal d'années d'intervalle. Ouais, toujours. Et donc, il ou elle, je ne sais, non, c'est un homme, je crois, mis un personnage dans les deux. Bah, il devait bien l'aimer, non? Bah, j'imagine. Et il y a déjà quelqu'un qui a trouvé. Mais oui, mais je te dis, c'est hyper connu. Je te dis qu'elles sont faciles, nos questions. Bon, alors la réponse, c'est Plue. Enfin, je sais pas trop comment ça se prononce. Plue. Voilà. Plue. Allez, attention, on arrive aux dernières questions là. Ok, attention. Les deux dernières questions, c'est le moment que jamais de se défoncer. Ah. Attends juste deux secondes, Caroline. J'aimerais savoir une chose. C'est est-ce que nous avons toujours autant d'auditeurs? Ah, tu crois qu'on en a perdu? Oh non, 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 non. Non, non. On les a gardés. Oh, ça va, ça va. 20 sur 28, voilà. Oui, on est bien, on est bien. Bonne chance. Donc, de toute façon, moins il y a de participants, plus vous pouvez gagner de prix. Hein. Ouais, voilà. Alors, question 9. Alors là, attention, ça va être hyper rapide, je pense. Quel Pokémon légendaire aperçoit Sacha après avoir sauvé Pikachu de l'attaque des Piafabek dans le premier épisode? J'ai énorme. Cru que j'arrivais pas au bout énormissime. De la question. Même la question, je comprends pas. Énormissime, ouais. Déjà ? Ah non, 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 c'est pas possible. Il y a déjà la réponse, les gars. Trop rapide, trop fort. Mais je savais que ça serait hyper rapide pour cette question. Pourquoi tu dis les gars ? Parce que tout le monde adore les gars, les filles. C'est une... Malheureusement, en français, tout on dit a, les tout gars. Monde a on dit les gars. Même, C'est le masculin qui l'emporte. Je sais, on le regrette, mais c'est comme ça, c'est la langue française. Les gars, les filles. Et alors ? Et bien donc, c'est. La alors, ho, ho, la réponse. Ho, 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 ho. Alors moi, je n'ose pas le dire. Dernière question, nous t'écoutons. Mais je déteste Pokémon. C'est tout moche, les dessins à Pokémon. Allez, question suivante. Je vais me faire descendre sur le chat. Je viens de dire que je n'aimais pas Pokémon. Alors, question 3, du coup. Quel est le prénom de Sailor Moon?
Là, on est dans un vieux manga. Tu sais ce qu'elle fait, Sailor Moon ? Alors, Sailor Moon, c'est pas celle qui elle se transforme. Ah là là, c'est un peu Magical Girl. Voilà, elle se transforme. Mais je me souviens, moi, avant que je sache même l'existence des mangas, il y avait l'animé. Dans notre jeunesse, nous avons pu voir le dessin animé. Elle se transforme grâce à son médaillon que lui a donné un chat un petit peu bizarre. C'était trop beau quand même. Moi, j'aimais bien. T'aimais bien ? Mais il y avait aussi, si on parle de vieux dessins animés, là, on était là au tout début, les gars. On pourrait une émission spéciale dessins animés. Parce qu'on est assez vieux pour avoir vu le Club Dorothée, nous. Pour en parler. Non, je n'ai jamais vu. Tu n'as jamais vu le Club Dorothée, mais quel menteur ! Mais quel menteur ! Ah, y aurait-il une réponse, cher modérateur ? Oui, non ? Ah, parce qu'il y a deux façons d'écrire le nom, on accepte les deux. Alors, c'est quoi ? Alors, du coup, il y a... Oui, tout à fait. On prend tous les noms. Alors, on prend Bonnie, qui était une des façons de dire le nom. D'accord. Et Usagi, qui veut dire lièvre, en fait, en japonais, lapin. Donc, Bonnie, lapin, ça va. Et Tsukino, c'est son nom. Non, mais bravo, parce que franchement, se souvenir d'un prénom comme ça, japonais... Tu sais qu'on a fini le quiz. Eh bien, j'espère qu'il y a un gagnant, du coup, et que tout le monde n'est pas ex aequo. Ça nous arrangerait. Aïe, 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 les modérateurs... Il n'y a pas de gagnant, c'est-à-dire qu'on a 6 ex aequo, quoi. Il faut une question subsidiaire. Est-ce qu'on en a une ? On en avait une. Anna Nobresse. Alors. Oui, tout à fait. On parlait de Kali. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts ? On va poser une dernière question qui sera une question subsidiaire. Quelle est la maison d'édition de Anna Nobresse, la série de Kali. Et de, du coup, Wandering Souls aussi. Et de Wandering Souls. Pour ça, ça vaut le coup d'en parler. Donc, on se doute que c'est une maison d'édition française qui édite plein de super, plein de super mangas. Je viens d'aller... Ah, ça y est, on a un gagnant. Mais j'espère surtout que ça va permettre de départager les gagnants. Si c'est le même que le coup d'avant, c'est pas possible. Alors, Jérémy, sinon, quelle il va falloir trouver une autre question. Alors, la maison d'édition, c'est H2T. Comment ça, non ? Cher modérateur, si, on vous assure, c'est H2T. Mais il y a toujours... Oui, il y a un gagnant, ça y est. Nous allons avoir après un gagnant. L'annonce. Encore quelques secondes de patience. Oui, ça a été trouvé, mais on veut le gagnant maintenant du quiz, cher modérateur. Hein ? Alors, attends, c'est une réponse qui est arrivée après que je l'ai dit ou... Non, mais non, ils sont trop rapides, donc c'est nous qui sommes trop lents. Non, il n'y a toujours pas de gagnant. Non, ce qu'on va faire, c'est on va proposer une autre question. On avait ou toute alors une on liste fait de une question rapidité, le premier. Non, rapidité. Enfin, de toute manière, il va falloir. Un quiz au hasard, je veux dire. Enfin. Alors, nous allons poser une question au hasard concernant. Comment ? Non, qu'est-ce qu'il y a ? Attends, on nous dit d'attendre, on nous dit de ne pas attendre. Ah, c'est compliqué, téléspectateur. C'est ça le direct. Ouais, comment allons-nous combler ce blanc terrible ? Il n'y a pas de blanc. Nous sommes blancs. Alors, que se passe-t-il ? S'il vous plaît. Attends. Il n'y a jamais eu là, autant de suspense. Là, ils sont en train de départager, peut-être, je ne sais pas. Les modérateurs sont en train d'observer sur leurs écrans. Il faut compter les points. On lève la main, mais on ne nous dit pas. Ils cherchent de nouvelles questions. Mais il fallait nous le dire. Comment ça ? Il faut que j'aille voir. Qu'y a-t-il, mes chers amis ? Alors... Oui, on a une question subsidiaire qui concerne aussi un de nos mangas, celui-là. Pour les 6 qui ont déjà, déjà eu répondu. Une bonne réponse, donc on va limiter à vous 6. Mais le premier qui va nous dire dans quel pays, on accepte de façon d'écrire aussi, parce que... Dans quel pays se déroule Goodbye Maros Garden ? Top chrono ! Waouh, il faut faire ça. Oui. Donc là, normalement, vous l'avez lu il n'y a pas longtemps. Il y a un indice, le titre. Oui, il y a un petit indice. Alors, parmi les 6 qui ont participé, ça y est, déjà quelqu'un qui a trouvé la réponse. Donc, on pouvait dire soit Angleterre, soit Grande-Bretagne. Hein. Et du coup, nos modérateurs vont pouvoir faire le décompte. Et nous dire qui est le gagnant de ce quiz, s'il vous plaît.
Vive les livres, c'est un magnifique pseudo, ça. Enfin, c'est un truc pour plaire aux bibliothécaires, hein. C'est un petit peu lèche-botte. Non, tu crois pas? C'est un documentaliste qui voudrait avoir... tu crois que c'est un documentaliste? Attends, avec un nom comme ça, ou sinon possible, c'est une jeune qui... Est-ce qu'il y a des réactions de l'autre côté? Omedetto gozaimasu, tu as gagné les trois premiers tomes du grand gagnant. Alors, le grand gagnant de cette édition est... Jingle. Oh, oh. Non, il est bien, moi je le trouve très bien, il est magnifique. Il est beau, le grand gagnant de cette édition, il s'agit de... moi j'aurais peut-être deviné, c'est Spy X Family. Est-ce vraiment une surprise? Je ne sais pas. Réaction des personnes. Ouais, on avait un peu parié sur lui, nous aussi. Il y a un peu tous les ingrédients, de l'humour, de l'action, du rebondissement, c'est intelligent, des dessins magnifiques. Des adultes, des enfants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a quand même, recueilli 75% de vos votes. C'est-à-dire qu'il était quasiment sur 3 bulletins de vote sur 4, il était dedans. 113 votes au total pour celui-ci. Donc, Alors que le second avait reçu 88 votes, hein. C'est ça. Voilà, donc il y a un écart au-dessus de 100. Voilà, il y a vraiment au-dessus de tous les autres. Et voilà, vous le savez maintenant, les 4 mangas gagnants de cette 5e édition du Prix Mangavore sont: premier, Spy X Family. Deuxième, So I'm Spider, So What. Troisième, I'll Pee the Soul Sanders. Et Iruma à l'école des démons, ex aequo. Youhou! Vous retrouverez de toute manière les suites des mangas dans vos médiathèques de Valence Roman Aglo. N'hésitez pas à les réserver. Oui. Et voilà, ce live final du Prix Mangavore 2021 s'achève. Si ça vous a plu, allez-y dans les commentaires. Ça nous donnera peut-être envie de le refaire. Si vous voulez que ça si vous avez des idées aussi pour faire d'autres lives, et donnez-les, partagez-les. On est preneurs. On est toujours preneurs. Et alors, le prochain rendez-vous, c'est tout simple. C'est avec Zélian. Ça sera mi-juin. Une rencontre en vrai avec une mangaka pour pouvoir partager votre passion avec cette grande dessinatrice, celle qui a écrit la série Wandering Souls. Je ne suis pas payé à montrer à chaque fois je gagne 10 euros. On est juste content de la recevoir. C'est rare d'avoir une mangaka sous la main. Et sinon, pour d'autres animations, dès qu'on peut, pour le Prix Mangavore. Voilà, merci. À très bientôt. À tous. Merci aux modérateurs et aux techniciens. Christophe, Jonathan, Annabelle et Dominique. Ouais. Et puis, depuis de chez lui... On continue, il faut faire tourner parce que je crois qu'il y a plein de commentaires qui arrivent. Il y a plein de commentaires, vous voulez qu'on réponde à vos commentaires en plus? Alors, qu'est-ce que vous aimeriez voir avec un live Twitch? Allons-y. Qu'est-ce que vous aimeriez partager aussi vos impressions? Qu'est-ce que vous avez préféré? Un booktube, vous êtes aussi contente finalement de ces prix? Est-ce que vous êtes contente de la qualité vidéo? Ouais, on peut parler de la qualité du son. Des jeux vidéo. On pourrait parler jeux vidéo un on jour en parler médiathèque, vidéo. Mais va-t-on y arriver? On pourrait parler jeux vidéo sans problème. On a des spécialistes ici qui sont des gamers avertis. Donc, je ne vois vraiment pas pourquoi on n'en parlerait pas. Oui, Annabelle, s'il te plaît. Un live sur le Japon, la culture du Japon, elle peut, ça c'est sûr, elle a toutes les bases. Oui, après 3 voyages, je peux vous donner des conseils aussi de mes voyages. Pour visiter le Japon? Pour visiter le Japon quand on pourrait y retourner un jour, écoute, c'est à étudier. D'accord, et toi t'étais allée plutôt où alors? Je suis allée surtout dans l'île principale, Honshu, dans le Kansai, voilà. Oui, bien sûr. J'ai pas fait l'île du Nord. Pour moi, c'est très clair. Je parle. Quel langage elle me parle? Grosso modo, Tokyo, Kyoto. J'ai fait Osaka. Je suis allée à Kanazawa. Un peu dans les Alpes. Un petit live touristique alors sur le Japon. Écoute, on peut y penser. Écoutez, j'ai l'impression qu'en tout cas, on n'est pas une agence de voyage quand même. Non, ça va être compliqué. On pourrait mettre des images, tu vois. J'ai un petit peu trop de photos, mais là, ça ne durera pas 45 minutes le live. Ça durera 3 heures. Non, on réduira. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Voilà, s'il y en a qui ont encore des idées. Mais déjà, ça va, s'ils ont des idées, c'est déjà que c'était on est déjà content sympa. Que ça vous ait plu. On merci est content de que nous vous avoir venus aussi, si nombreux. Voilà. Pour une première fois, je trouve que c'est pas si mal. Et on va programmer d'autres rendez-vous. Tenez-vous informés, ce sera par le biais de Twitch ou du site des médiathèques. De toute manière, on continuera de faire ce type d'expérience. Il y a des chances pour qu'il y en ait pour d'autres publics aussi qui commencent à se faire des lives dès le mois prochain. Mais je pense que sur les mangas, sur les animés, on peut faire un truc sur les animés aussi, ça serait chouette. Et les comics, ouais. Et les comics. Vrai.
sur les comics. Alors, c'est peut-être pas le public qu'on a en ce moment, mais ça serait sûrement une très bonne idée. Tout à fait. Oh, bah, y a plein d'idées. Eh bien, on va se dire au revoir. On va se dire au revoir. On vous... Ah, il y a une question pour moi avant de on se dire au revoir. On peut pas finir l'émission sans ah, cette c'est question. C'est la dernière, hein. C'est après, une question pour Caroline, sur laquelle nous allons faire un gros plan. Ai-je des conseils ? Ouh là là, mais c'est une très grosse question qui mériterait une très grosse réponse. On va faire une très grosse émission. Pour un premier voyage, eh bien, vous savez, il y a d'excellents guides. Je conseille le Lonely Planet. Ouais, mais attends, mais toi. Mais moi, ma ville préférée. Attends, mais tu ne me laisses pas finir ma phrase aussi. Donc, on vous dit d'aller à Tokyo, d'aller à Kyoto. Eh bien, moi, je vous dis aussi d'aller à Kanazawa et de ne pas hésiter à aller voir les Alpes japonaises. C'est très beau. C'est des et puis, la campagne en fait. Aussi, parce qu'on n'en parle pas souvent. Donc, le guide Lonely Planet a beaucoup de très, très bons conseils. Et puis, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous pouvez aussi regarder le routard. Et puis peut-être donc un prochain live, eh ben, on ira pas plus loin. Ou les emprunter. Oui, on peut les emprunter dans les médiathèques, bien sûr. Et puis vous pouvez venir me voir. Moi, je travaille à la médiathèque La Tour Maubourg. Donc voilà, ouais. Vous pouvez venir me parler, n'hésitez pas. Et donc là, on dit, comment on dit au revoir comme ça, à bientôt. Alors, dia mattane. Dia mattane. À la prochaine.